Bienvenue sur Ave Maria Télévision, la chaîne panafricaine, la chaîne par excellence, comme je vous ai toujours dit. Moi, la moubali Yamwindu, Abed Kitenge derrière la caméra, Ahmed Mukendi devant la caméra, Bomo Messano, pendant que vous êtes fidèle, abonné à Ave Maria Télévision, Omoni, dans la t-shirt Moro spécial, plus 44, Anastella, Abed Kitenge, Agolistre Penasima, Oezali, Ave Maria Télévision, chaîne Yabana Mboka. Chaîne Oyo le Barabosolo, chaîne Oyo Bougara Lukutate, chaîne Oyo, tous ces bazarana bari merde, tous ces ranaba feu réel, tous ces tarandés bari réalité. Tous ces awa, la quatrième ville province, y a Kinshasa, commune y a Kalamu, na rond-point Ezo, de l'eau le 19 mars, l'UDPS a honoré la femme. Bouébi, tous ces na mois de la femme, le mois dédié aux droits de la femme. Parti au pouvoir, UDPS parti à Mwanamboka Fati Beton. À travers le président Boni Kalunga, président Boni Oazali, président fédéral, il y a Mohamba. Donc Boni Kalunga, un jeune, Moro Play à Solarabia, jeune Moro a pensé à ma maman, a organisé qui journée Oazali, journée à réflexion, débat ouvert, thème dans Oazali, l'autonomisation de la femme congolaise. Président Boni, à la poste, moi si, à Manaro de Pandaye Moko, moi si, à faire valoir Batou Naye, moi si, à mi compter parmi Batou, plus pour échanger. Toi, Awa, à travers la caméra et Abed Kitenge, à travers Bilu et Abed Kitenge, Bandego y a avant la télévision, Toroti et Abed Yakota Nakash, tu dois découvrir contenu, il y a journée, il y a une conférence, il y a une conférence, il y a une interview, il y a une intervention sur la carte, Abed Akosa Nisayango, comme ça, tout le monde est en train de tout désannoncer. Abed Kitenge, Kota Nakash, au fait, c'est plutôt Moutouya, il y a Makambo et Ganakash. Merci beaucoup. Chaque section a fond à côté ya section naïe Kisensu, ata la papé ya Kisensu Matete, ata la papé ya Matete Tosengi bandeko ya protocole, bocha vraiment ordre Ngaba, boche côté ya Ngaba. Ligue des jeunes Mohamba, viva! Viva! L'IDPS, viva! Viva, viva, viva! Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix, chef de l'État, béton, 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 Bikou Rouge, Tobeta Maboko Makasi, Tobeta Maboko Makasi. Déjà, notre activité. Mais avant de commencer, nous allons sincèrement bien nous lever pour chanter l'hymne du parti.
Ligue des jeunes, Mama, viva! Viva, viva, viva! Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix, chef de l'État, béton, 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 bipou rouge. Sion, Nathana Moïse. Petit à la toujours la position à côté les mains. Nous allons observer vraiment une minute de silence pour nos martyrs et nos frères de l'Est qui sont toujours massacrés chaque fois. Merci. Présenter notre programme du jour. Notre manifestation d'aujourd'hui a un thème. Le thème qu'on appelle l'autonomisation de la femme congolaise. Ma maman est... Yeah. Ma maman est... Yeah. Voyons casserole. Ma papa... Voyons quitter. C'est que les amants et banani. Les amants et banani. Soki ma maman baza awa. Boto mo lana no mingongo bo... Lobby, moi Oyo Ezali, ma maman Baye Babadroa na Bango. Vous êtes? Alors, notre programme se présente comme suit. Après l'hymne du parti, nous allons passer par les mots de circonstance qui sera donné par le général Boni Kalonga. Et après, nous allons passer par une petite animation de notre chanson fétiche. Après cela, nous allons passer par deuxième ou première intervenante, Madame Pauline Boukassa. Elle est rapporteure adjointe de l'INPC, de l'Union. Oui, voilà. Elle va se présenter, mais sinon, elle est reporter adjointe de la commission de discipline, d'éthique professionnelle de l'Union nationale de presse du Congo. J'espère, si nous avons mal parlé, elle est là, elle va bien parler. IDPS, viva! Viva! Et après cela, nous allons passer par deuxième intervenante. Elle va nous parler sur la politique préventive mise en place pour éviter la pollution dans les secteurs miniers. C'est Madame D. Elle est coordonnateur des réserves stratégiques au niveau de la présidence de la République. C'est Madame Dadi Bidianfou. Et on me dit que c'est Madame Eliane Potopotele de GEA, donc directeur adjoint. Et nous allons passer par troisième intervenante. Elle va nous parler sur leadership de la femme face aux défis politiques de l'heure. C'est Madame la coordinateure de la réserve stratégique Dadi Bidianfou. Et après cela, nous allons passer par vous présenter quand même les sections qui composent la Fédération des Moamba, Ligue des jeunes, de l'IDP Tshisekedi et ses animateurs. Enfin, nous allons passer par le mot de la fin par le président fédéral Boni Kalonga. IDPS, c'est vivant. C'est ça notre programme d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons inviter le président fédéral de la Ligue des jeunes de l'IDP Tshisekedi, Fédération de Moamba, docteur Boni Kalonga, et je vous dis d'applaudir très très fort. Camarade Makassi.
Merci, cher président. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Honorable Excellence, Monsieur le secrétaire général du parti représenté, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux adjoints, Madame la Présidente de la Ligue de Jeunes, de la Ligue de Femmes représentée, Mesdames et Messieurs les secrétaires nationaux, Monsieur le Président fédéral de Mohamba, Madame la Présidente de la Ligue de Femmes de Mohamba, chers cadres du parti, combattantes et combattants, distingués invités à vos titres et qualités, bienvenue à cette manifestation. Merci. C'est avec une joie immense qu'ensemble nous célébrons la Journée internationale des droits de la femme, cette personne très chère pour notre humanité, de par son apport significatif dans notre société. Loin de constituer un événement commercial dénaturé, la Journée internationale des droits des femmes est une date charnière du calendrier féministe, dont l'objectif est de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Il s'agit d'un moment propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en soulignant le chemin parcouru. Cette journée spéciale puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin en Amérique du Nord et en Europe au tout début du XXe siècle. À cette époque, le monde industrialisé connaît des grands changements, notamment sur le plan de la croissance démographique et des idéologies radicales. Il y a quelques décennies, notre pays a emboîté les pas de ces grands combats, vu les atrocités que subissent les femmes dans tous les secteurs de vie de notre société. Ne pouvant pas être unanimes à la cause de la femme, l'actuel champion de la masculinité positive, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshibeton Siona, s'est engagé significativement pour la promotion de la femme. Il a placé celle-ci au cœur de son action gouvernementale afin de concrétiser son 14e pilier qui met un accent particulier sur l'autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse dans l'axe 15 de ce programme parle de la protection des droits et de l'intégrité physique de la femme en leur donnant des fonctions de responsabilité au sein du gouvernement et d'autres domaines importants du pays. Car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je vais encore loin pour dire, ce que veut une femme, c'est ce que veut Dieu. En effet, notre fédération de Mohamba, ne pouvant pas non plus être indifférente comme son président de la République, elle s'est inscrite dans ses combats nobles. C'est dans cette logique que la Ligue des Jeunes, fédération de Mohamba, la fédération mère, a organisé cette conférence pour promouvoir les qualités et compétences des femmes, ainsi que s'opposer à toute forme de discrimination sexiste. Cette journée se veut être un moment d'interpellation, tant pour les femmes que pour les hommes, du rôle important que doit jouer la jeune femme dans notre société, dans le développement
de notre cher et très beau pays. D'autres activités sur terrain accompagnent déjà cette vision, telles qu'une formation en agro-business, une autre formation d'apprentissage de métier, pâtisserie, vignoble, des formations sur l'entrepreneuriat de jeunes et j'en passe. Pour chuter, la jeune femme de Mont-en-Bâtien a vous signalé qu'elle a besoin de votre soutien, votre aide et surtout votre regard pour faire à ces défis quotidiens notre vision de chaque jour. Honorable Excellence, Monsieur le Secrétaire Général du Parti représenté, Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux Adjoints, Monsieur le Président National de la Ligue de Jeunes, Madame la Présidente de la Ligue de Jeunes de Mont-en-Bas, Mesdames et Messieurs Secrétaires Nationaux, Monsieur le Président Fédéral de Mont-en-Bas, Madame la Présidente de la Ligue de Femmes de Mont-en-Bas, Mesdames et Messieurs dans vos titres et qualités, ce mot, je finirai ces mots pour dire que la conférence d'aujourd'hui est ouverte et nous laissons la suite continuer sous vos applaudissements. Merci. Nous allons passer par la présentation de nos invités. Ainsi, nous allons aussi présenter la Fédération des Mont-en-Bas et ses structures. Nous allons vous présenter messieurs les conseillers et représentants du ministre, madame la ministre du Jard et Famille, messieurs les conseillers Pichou. Nous allons vous présenter madame Pauline Boukassa, que nous allons demander de se tenir debout. Et je pense, j'avais déjà parlé de son titre, elle aussi va ajouter. Nous allons vous présenter Madame Nationale de la Ligue des Femmes, Madame Toumba Miltoni. Elle est chargée des disciplines et bonne conduite au niveau de l'IDPS.
Nous allons aussi vous présenter Mama Bernadette Mbouyi, fédérale de Mwamba. Mama Boyoka. Mama Boyoka. Boki Mokonzi Oyaï de Pese Abasite. Yamo Amate. Ye. Merci Madame la Présidente. Ainsi nous allons passer trop vite parole à Madame Pauline Bokassa. Elle va nous parler. Elle va nous parler sur l'apport de la femme dans la société. Moi si Azana Tina Nini na société congolaise. Est-ce que moi Azana Tina? Moi Azana Tina? Ma maman moi Azana Tina? Roberta maman maman Kassi. Sans plus tarder, nous allons passer la parole. Madame, on sait que vous parlez beaucoup. Nous allons vous donner que 20 minutes. Merci. Merci pour la parole. La paix beauté. Bonjour à toutes et à tous. S'il y a des femmes parmi vous, est-ce que vous pouvez ma boko? Merci beaucoup, Maria Lingala et aussi en français. Et vous allez me permettre de me mettre. Merci. Navanda. Merci beaucoup. Merci pour Boyo Kelingaï. Ma maman, d'abord, avant tout qu'on t'en a bilingue, j'aimerais d'abord lire mon exposé. Bon, permettre un gars, parce que c'est écrit en français. Et ceux qui t'ont continué à moi débat, nous allons pouvoir intervenir en Lingala. Merci beaucoup. Chers combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le mois de droit de la femme qui est célébré le 8 mars de chaque année à travers le monde nous offre l'opportunité de passer en revue les actions menées par la femme dans la construction de la société congolaise. Mais avant d'aller plus loin dans les thèmes de la communication qui m'a été abordée devant vous, je voudrais rendre un hommage appuyeux à son excellence chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et l'autorité de référence de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, pour l'attention particulière qu'il porte au progrès de la femme congolaise à travers sa vision axée sur les peuples d'abord. Vous me permettrez également d'exprimer ma sincère gratitude à la Ligue des jeunes de Mwamba pour m'avoir honoré en m'invitant en planchant sur un thème dont l'importance est connue de toutes et de tous. J'aborderai ce thème en passant en revue de manière sommaire quelques actions menées par la femme congolaise dans les secteurs économiques, social et politique. Je terminerai mon intervention par quelques recommandations. Chères combattantes et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, depuis le 6 octobre 1985, le gouvernement congolais a ratifié par ordonnance numéro 85/040 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Grâce à cet instrument juridique et à bien d'autres auxquels notre pays a adhéré, la femme congolaise continue de prendre une part active dans plusieurs domaines, dont celui de l'économie. Depuis le dépillage de 1999 et 1993, et suite aux guerres de 1996 et 1998 qui ont délabré les infrastructures économiques, provoquant ainsi un taux de chômage élevé en République démocratique du Congo, la femme congolaise s'est mise debout
pour braver les épreuves et a entrepris multiples activités génératrices de revenus, qu'elle s'efforçait chaque jour de faire fructifier et d'épargner. C'est ainsi que, de plus en plus, il a souvent la responsabilité du foyer. La femme se relève, être depuis des années l'actrice économique incontournable en République démocratique du Congo. La faible proportion des femmes salariées est due principalement au manque de qualifications. Celles qui travaillent effectivement occupent des fonctions subalternes. En plus des préjugés liés à son sexe, la femme subit une discrimination juridique à travers plusieurs articles du Code du travail qui ne cède pas de citer dans ce cadre de son travail. Sa contribution à la construction de notre société n'est donc plus l'ombre d'un doute, bien qu'un long chemin reste à parcourir pour lui permettre de jouer pleinement ses rôles dans le secteur économique. Dans le secteur politique, nul n'ignore qu'il n'existe pas de pays au monde où les femmes jouissent des mêmes statuts politiques que les hommes, ni des mêmes possibilités d'influencer la direction de la société. En conséquence, en RDC, la loi sur la parité homme-femme n'est pas encore démise dans le secteur politique et surtout dans les organes de prise de décision. Le pourcentage des femmes dans les deux chambres du Parlement actuellement est encore faible. Dans la magistrature, les nominations aux postes de direction sont en majorité masculines. Quant aux provinces, il semble que les femmes ne peuvent pas occuper les fonctions des gouverneurs dans notre pays. Il suffit de jeter un regard sur l'exécutif provincial pour s'en rendre compte. Un effort a cependant été fourni au niveau ministériel où quelques femmes exercent les fonctions des ministres et vice-ministres. Sur le plan du leadership politique, l'on compte très peu de femmes qui sont fondateurs des partis politiques par rapport aux hommes. L'essai de la proportion des 30% fixé par le Conseil économique et social depuis 1995 est l'un des traiteurs. Dans les domaines sociaux, que les droits à l'éducation soient accordés à tous, des inégalités sont cependant observées entre garçons et filles. Les taux d'abandon légèrement plus élevés chez les filles que chez les garçons sont valables pour toutes les années. Néanmoins, grâce au programme de gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État, les taux de scolarité des filles encore plus faibles en comparaison avec celui des garçons est en train de diminuer. Dans les domaines de la santé et la reproduction, la proportion des femmes qui utilisent un moyen de contraceptif a été estimée à 27% contre celle de 4% chez l'homme. Selon l'étude menée par le ministre des Affaires sociales intitulée « Guide biographique des femmes cadres », les femmes cadres ne représentent en moyenne que 5% de tous les cadres. Malgré la qualification et l'expérience professionnelle, la majorité des femmes, 61%, assument des fonctions subalternes. L'application du genre en République démocratique du Congo dans les différents domaines et dans toutes les institutions est limitée par plusieurs facteurs, notamment les dispositions légales discriminatoires et la non-application des tests favorables à la femme, l'analphabétisme des femmes, les relations hommes-femmes basées sur un système biologique et le statut social, les patriarcats,
les pratiques traditionnelles des divisions du travail selon les sexes. Sur les plans de la religion, la soumission de la femme mal interprétée. Le poids des coutumes et traditions qui marginalisent la femme, l'insuffisance des données statistiques actuelles désagrégées par les sexes. Ces facteurs privent la femme congolaise de ses capacités de devenir agent actif de la reconstruction du pays. Pourtant, il est reconnu de tous que dans la gestion de la chose publique, la femme est plus intègre que son collègue masculin par sa transparence dans la gestion. Les conflits d'intérêts qui souvent accompagnent la gestion, la gestion par les hommes font presque défaucher la femme. La faible participation de la femme au poste de responsabilité dans la gouvernance au niveau national prive les pays des compétences indispensables au développement. C'est au contraire l'amélioration de l'équilibre de genre au niveau des organes de prise de décision dans les institutions politiques, légales, sociales. L'économie qui pourra attirer la visibilité des compétences de la femme pour la reconstruction nationale. Des comportements différents liés à leur rôle de mère. Historique à 8 mars les alliés monde entier basé pour célébrer moi si pour l'anime la bambo kamoussou basi basala qui consala n'a pas société mais au commun à que bah on peut sa mobile mbongo kolika ya moi si yango basi ba téléma qui ba lobby non tolingi discrimination te Tolingi wope sa bison denge moko. Yango baswa na ba telemaki. Ezaki na mikili mususu, basi bazalaki na droit ya ko vote te. La femme ne vote pas. Boko kende ma ponami, la femme n'avait pas droit ya ko vote. Et ces femmes ont marché, ba réclamé ba droit, ba lobito boy discrimination. Bisopé toza batu, toza na droit, et ces femmes ont réclamé leurs droits. Aujourd'hui, la femme est votée. Les lots toza na basi, bazali ba député, bazali ba sénatrice, bazali ba chef d'entreprise, ce que total en a domaine public, à ta domaine privé, au commun qui a de femmes conscientes, au baébi qui n'a pas na zamoutou, je suis situé. Citoyenne, Nazali na droit ya kosala, Nazan na droit ya kotanga. C'est pourquoi tokolinga kaka teke tosala tokende komela tola taliputa non. Nous devons être conscientes de nos responsabilités. Nous devons être conscientes que du so passé pour accéder na makambu na musala. On ne va pas réclamer parité comme ça. Donc on réclame Mongote, la femme doit se former, la femme doit se former, elle doit étudier, la femme doit avoir des atouts, la femme doit avoir des potentialités. Il faut oser la paix licencier. Pour ce qui est domaine scientifique, au commun à Basi Mouke Baba professeur, au commun à Basi Mouke Bazali ba assistant, mon commis balé, surtout qu'il y a un domaine même, il y a santé, beaucoup de Basi ba docteur Baza Mouke. La femme a besoin de ciment. Au lieu qu'on l'a qui sa petite, qu'on l'a qui sa charme na yo, qu'on l'a qui sa attribut, ses attributs féminins. Il faut qu'on l'a qui sa compétence. Au talin a pas parti politique en République démocratique du Congo. Au commun a pas si mouke baza n'a pas parti politique. Baza ba fond, baza kaka ciment kaka. Non, la femme doit être consciente. La femme doit développer son leadership. Et doit être capable de s'imposer. Naïbi que basi na ma entreprise, même dans ma partie politique et belé, parce que ce que tu as même ce qui se passe aujourd'hui, dans ma réseaux sociaux, au moment moi si Aza Kolobandenge elle est violentée. Moi ça me fait la honte. Au moment à que moi si, même dans le domaine culturel, au lieu de s'imposer, au lieu de l'obtenir, on a une naïbi pour yemba.
En premier plan, il faut présenter tes compétences, tes atouts, mais la femme va présenter, va mettre en avant-plan son charme, que je suis femme, que je suis belle. Ça ne suffit pas. Il faut avoir des compétences, il faut avoir des atouts. Pourtant, le copain, ça s'est venu va douter, qu'elle est capable de nous représenter. Nous allons pas respecter l'article 14. Oui, ils allaient pour le baquet. Moi, si elles allaient représenter dans ma institution, mais vous verrez que la femme, ce qui au côté de bon devenir, ce qui classe les Akimouké. C'est comme ça que j'invite à nos mamans. Bati n'a pas la base, la classe. Mon cousin, mon caloba qui en haut, dans la salle qui tourne là et dans grand casse. À l'obaki, banabasi a sepe la quitté, babala avant 18 ans. Banabasi ma kende classe. Au moni même, mon cousin, mon pour la toute première fois. Au moni na DGDA, donc Bati moi c'est une première femme douanière. Na banque toza na moi si. Tokobi ko bete la même au konzambo ko maboko. Parce que à valoriser moi si aza na banque. La banque na biso c'est une femme. Et parce que cette femme elle a étudié. Parce que cette femme là elle s'est formée. Na kuna na DGDA c'est une femme. Dans le ministère rebelle, il y a le ministre rebelle à Bassi. Tout ça, c'est parce que la femme s'est formée. Parce que la femme a des compétences. C'est comme ça que je suis entrée encore. Il y a pour féliciter la Ligue des jeunes et à Mouamba. Et la Ligue des jeunes, mon quoi part. Ligue des jeunes, on est allé ici, moi aussi. Ligue des jeunes, on est allé ici. Moi aussi, Adam Moutou. Alors, dis moi ici, Aya. Nazobe, ça merci. Nami Balignon. Les hommes genrés qui sont ici, vous qui commettez la paix m'a beaucoup. Parce que vous avez pensé, mon lobby au Bundakana, moi si. Il faut moi, Chouana, token de ça la conférence débat, tout solo là, moi, Chouana, tout éveiller conscience là. Il dit, maman, Boza Batuya, Moutuya, même Zambia et Baki, à l'obi et Salima la Mouté, Moubali Azala, Yemoko, en comprenant qu'il fallait que la femme soit là pour changer la donne, tout petit faiblesse, tout petit distraction, tout petit légèreté, tout tika légèreté, je dis bientôt tika légèreté. Tomi pesa pe na musala, na ba collègue masculin. Tolo bate que bazali ba, moi je trouve que mi bali souvent ba mi pesa ka. Biso pe tomi pesa ka. Tolanda ba. Tolo bate que non, bango kaka non, bango ba sele fort, bazan ba compétence. Nous pensons là, ce qu'on y habite tout là, qu'il y a ma formation, il n'est pas trop tard d'apprendre. Merci beaucoup. Idopès viva. Idopès viva. Viva. Ma maman viva. Viva. Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, Nalina remercier la Ligue des Jeunes Yamouamba, représentée par son président Bouni. En tout cas, merci beaucoup pour la parole que vous accordez Bissolelo. Deuxièmement, Nalingi n'a présenté au nom de maman Eliane Potopoto. Nalingi maman parce que Azam Moissi, femme, la binon, mais en réalité, elle est très jeune. Elle nage dans les trentaines. Mais Lelo Fachi a permettre à Lelo Atelema en tant que DGA, il y a entreprise Saimapé, et ça entreprise Moko. Il y a mine, ou il y a une mine artisanale. En tout cas, je suis limité à la président Fatih Maboko Makasi. Merci beaucoup. Je veux me présenter. Nakomonanga Krishna Bosenge. Je suis membre du mouvement Bansomi à UDPES et je suis aussi avocat. Bien. Lélo, on a représenté Madame Eliane Potopoto. Clairement, pour vous parler, il y a thème sur la politique préventive mise en place pour éviter la pollution dans le secteur de mine. Mais avant tout, quand on a vu il y a sujet Nabisso, ils ont thème la Pessino, ils ont la thème à mener les mousses sur la sur l'autonomisation de la femme.
à ce qui est ce que tout le Bélamoukien a été l'autonomisation à la femme et ensuite tout glisser petit à petit na thème na biso va biso sur la politique et la prévention il y a pour nous éviter pollution na secteur yamine. Les autres jours de l'autonomisation à la femme pendant un mois na bino ba maman c'est parce que et outil na constat moko constat en les animes. Ba mama ya mayele ya bwanya ba telemi ba tali ba lobite. Pourquoi biso basi to tikali sima? Alors que tous en a maboko, tous en a makolo ndenge moko na mibali. Il est peut-être vrai que ba réalité bele za ont différencié biso, mais en réalité, moi ça va capable ya kosala et loko nyonso mobali ya sala. C'est comme ça que la femme commençait à réfléchir pour se dire Nengenini pour Asala, pour Asala autonome. Autonome est l'incoloba en quelque sorte. Asala dépendant kaka ya mobalité. Asala dépendant kaka ya mobali na ete to ya moto ba bengi omte. Asala, Asala pe oye sengeli pour na ye, pour na ba besoin na ye propre. Constat wane outil dans le sens où, que yo ko constate que na société na biso, moi si atalaka plus mobali pour vivre. Bano bazo kola lelo au mon abi na otanga na ngatinga na bala kaka. Ce qui na eso signifie lo au mon. Moi si sengeli atanga, moi si sengeli aye ko la métier ni mobali aye ko la rapport ki ndo konuka. Eso permettre na moi si lelo mobali asakana na eti. Moi si a lukaka généralement, la maman baza va yébi. Ceux qui ont l'occasion de voir quelque chose, mobile en respectataï tant que tel. Mobile en respectataï moi si t'es pour na kitoko. Non. Mobile en respectataï moi si pour na valeur, y'a l'eau quoi ça dans mon amour. A yébi, qu'on s'en est loco. C'est comme ça que mon ara, basi ning y'a kitoko. Généralement, baba la rati. Ning, curieusement. Pourquoi? Parce que Nibali va se faire à Kozala, na moi si un n'yona, mais na Nibala te, Nibali est comme il calcule nos soucis. Et comme il faut qu'on prévenir, il faut qu'on prépare à venir y a bana. Alors moi si fois à la possibilité à rebâtir ça un plus. Voilà le sens y a autonomisation de la femme, na moi oué. Na domaine yamine, chaque fois qu'il y a soit. Une coopérative a utilisé ma belle pour extraire ou les minerais. Généralement, après extraction et minerais, ma belle est oufaka et bébaka. C'est-à-dire, au kokisu soko lone si kao babimi si minerete. Likambwana est a simple te. Au kokiko lopayango, beaucoup penseront qu'il a simple. Non. Na ba milier oyo. Ba milieu rural ici ba baza ko exploiter mine na biso on a constaté que de plus en plus baza ko exploiter mine de plus en plus mabele zokufa alors question à motu ezali tokotika la na nini soki ba sili ici ko exploiter mine parce que si là tokotika la na nini génération future na biso tokotika la pe na nini c'est ça la question fondamentale. C'est comme ça que le gouvernement n'a pas tomayé, il faut réfléchir lorsque Basali code minier, il faut un article 8, va réfléchir sur un fonds minier. Un fonds minier pour l'avenir, pour l'avenir futur. Fonds en Elikolaxani, les lois ont institué pour le service public. Fonds en Ezali. Mbongo baza kozwa à travers exploitation ya mine et sengeli ko bomba nambo pour nous permettre parce que lobby ce qui m'a belé au psika to fandi babimisi mina o moyen mama ya ko lona lisoso ezalité il faut au moins mbongo babimisi la ki mine wana et permettre parce que batonga to école pour na bandeko pour na bana basa la hôpital et ainsi de suite. Voilà place réflexion et l'Iboso et Bandaki.
Mais les lobes, il faut tout réfléchir à la journée de la femme, pendant le mois de la femme. Alors, question à Moutouya Oyo, maman Eliane Potopoto, ami Touna qui a dit Bosso Izara qui a Oyeba, et loko nini, moi si et Sengeli à Sala, pour lobby à Zala très importante dans le domaine ya mine. Deuxièmement, et loko nini, moi si et Sengeli à Sala, pour lobby tant ou mabele ko beba, Nicolo ya ba extraction ya ba minerai. Aïe, vous pouvez voir à venir, il y a beaucoup de minéraux dans ma belle honnête. C'est comme ça que, question en a, réponse à elle, il y a beaucoup habité. Il y a Yambo, et Sengeli Mouassi, aïe, quand tu as domaine, il y a mine. Mais quand tu as domaine à mine, et Sengeli, tu es le roi, 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 tu es le roi. Ah, certainement, on a un secrétaire qui a été en carte. Je ne pas fini la mise sur total à carte. Non, ce n'est pas ça le devoir de la femme. Moi, c'est Sengeli Azala, expert. Et pour la rose à l'expert, maman Eliane Potopoto a réfléchi à l'obinon. Et Sengeli, moi, si peu, attend la science de terre. La science de terre est le rôle là-bas, un géologue, par exemple. Les lots, ceux qui ont été dans le domaine de mine, la plupart des amis bali, pourquoi? Parce que Bassi va négliger le secteur Rwanda. Beaucoup pensent que non, et Sengeli Kaka un jour, et nous avons ça, là, dans le domaine de mine pour la mine. Mais en réalité, les lots ont besoin de l'autonomisation en femme, pourquoi? Parce que moi, c'est Sengeli à s'imposer pour maman le Bakiango et vous allez la cadoter. Mais pour moi, ça s'imposer. Et puis, bandi maye na milieu wana, et sengeli aye de loko nini azo sala. Na domaine wana apport na ye kozala nini. Plus la femme connaît, plus elle permettra gaye azala encore mieux que les hommes. Généralement, ce total même na ba école, la plupart d'après les statistiques, bato maye les lomige komi basi. La plupart de nos enfants. Parce que l'on a compris une chose. Moi, c'est dans ma faculté, dans ma capacité, mon souci, on a développé. Et il y a un mot, maman, il y a un mot qui habite. Na lingi, on lance un message dans bande konanga basi. Botanga, domaine, ya mine. Botika, kokota, dans ma domaine, nyon, surtout, oyo. Bah, nous sommes limités par droit, médecine et machin. Non, on le refuse pas, certes. Mais Sengeli, pour lobby forcé à la Licolo, il y a domaine où on a, parce que ça, secteur Oyo, ils ont apporté et belé, alors et belé, na bon cannabis. Pour m'accorder la parole, je reprends de maman Hélène Ganula, Marie-Hélène. Bon. Concernant ma caboue et qui awa, na le lien de ma maman balobi. Maman a dit ça les bosso après ça qui dépasse la haine colo voici. Alors belli comment la femme a été marginalisée, chosifiée. Alors et pas yuana alors belli avo naipe na part nangai na lobi boy. Nandengo lobi moi si akamata ba valer na e atia. Akamata Atunaye, savoir faire Atia. C'est aussi une bonne chose. Mais parmi nous, il y a aussi des filles mères. Maman a battu ma boti, Bazala Moutonsou na bangote, Baza Pénétrica au Kenete. Bakota savoir faire la bangote quoi? Parce qu'elle n'a rien. Elle n'a rien, elle sait pas. Bazala Ndigani ne va plus qu'on se défendre de terre concernant la situation au Bakuta et Nango soit à cause la mère précoce. Il y a moins de 5 ici sont des possibilités, c'est-à-dire, mon outil moyen pour encadrer ma jeune fille mère. De l'autre côté, toi qui n'es pas à maman Potopoto, à l'obéir du sol du colo à femme Makambouami, elle a bien parlé, savoir. Maintenant, toi la pose ça, puisque souci majeur naïe, à l'inique pas si, va reconnaître Valère Nabango, peut pas apprendre, et l'on connaît où est-ce dans 4 yamine. Et bien, les gens qui sont dans la faculté, soit dans la section, ou dans la faculté, 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 ou dans la faculté. Maintenant, on retourne.
si c'est possible, tout le monde a besoin de vacciner ici. Mais ça, les athées. Moi, comme on a été bas, on a pu engager, puis on a besoin de la bâti. Ce qui fait moyen d'aller partir, et quand ils sont dans la formation, voilà. Donc, après qu'on a la base de la formation, le bimbo, on a pu faire ça dans la mine, on a fait la porte pour aider Banina. Ah, aider Bambo, parce que ma diplôme est basé et belé, et tout l'ananda. Donc, on a pu faire ça dans la mine, et ça a été. Alors, je suis ma mission. Na oyo anga ipe mamba Marie-Hélène na sengi na par nanga mama na konti ya ba mama na 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 lisungi ete parti esunga biso. Merci. Mama, merci Mama Hélène Galula. C'est Kendo Panda. Merci. La lingi ba petit question parce que je risque d'oublier. Question na ezamoko yanga ezami bali. Et mama na biso mama sectionnaire. Maman Naomi Chikudu, alubi likambo ya basi mutakala, basi nu. Donc, c'est un problème de conscience, maman. Oyebi, dès que moi, si Aza déjà n'a 18 ans, le premier majeur, problème ya conscience. Ce qui moi, si, alubi que l'aïe, Nazali citoyenne, Yambo Kaou, Mutoroya Kotikaï, parce que je ne pense pas que Mibali Bakoya Kakaboui, Abani Kolo, Bilama, Alobiya Kaobina, non. Ce sont des filles. J'avais insisté ici en disant que Kotika légèreté. Et la légèreté, Yabana Nabusso, Oye Bamonike, pour gagner, pour assumer solo, il faut à exposer les autres naïe. Mais ce qui moi si y'a moko, à l'obique, nazali moutou, nazan a bas droit, nazan a bas devoir, n'a qu'en déquelas, nazan a formé, je ne pense pas que cette femme a pouki pour exposer ma belle naïe. Je ne pense pas que cette femme a pouki exposer les autres, les négatifs comme on a pas réseau, c'est, ça fait très mal, c'est tellement honteux et que moi c'est appétit trop bas. Ceux qui n'ont mon acquis garçon mon corps dans le réseau, à la vie passée à Kalouana Manati Maputa, habite à la Bafi à Lolo, ça la Bafi à Kala. Donc c'est la fille à l'ingato Mamundele, ils sont tous en abattiture dans le tout. Donc, moi, on a fait importer culture, mon souci. Tu m'attends, on a fait un pouvoir normal, on a dit problème exacté. C'est un problème de conscience, je ne pense pas. Même le bateau est barré, qui est dans 5 jours. Tu m'as dit qu'il y a des choses à imposer, je pense comme ça. Mais est-ce qu'il y a, moi, si je n'ai pas pu comprendre, c'est que je n'ai pas pu exposer aux autres en live. Il faut qu'ils comprennent. Même le ministre a voulu que le baquet agit par mesure. Donc, comme nous sommes dans une conférence, ce sont des recommandations. Je vais dire, madame Mouké, président Azali Konoté, c'est une recommandation que Bati Yamouamba, Bazako Senga, ministre, qui a sa mesure pour que la femme soit respectée. Parce que ça ne peut pas venir de nos compétences. Alors je pense que c'est parmi les recommandations, première recommandation, Obama ya moi en babalobi, balingi comme on a parlé la parole sous Bolombouté, la télévision, balingi, pratique ou an, te baye disa, balanganzembo, ba habillé balanabiso normalement. C'est une recommandation. Ami balé, nazo lo bana maman Hélène, nazo lo baki la femme, ma fille mère. Ma fille mère, c'est quand elle est comme mon coloba. Yo moi la moukie, Osaka Kanaba, Kouen, Fiston, na Emmanuel. Moi la bato oké au kamatisé. Basta la bonne ba parent, je ne pense pas qu'aucun parent a voki kosa moi la naïe. Il y a même nos filles qui sont mineures, qui sont engrossées. Au moment la même chose qui maman on a pour aucun data. Va déférer violaire devant les instances. Bah, y'a pas qu'à belle gars, super, y'a pas un dîmi. Même nous, les parents, nous sommes complices. N'en pas vu avant dans la bûche. Au moment où on a bataille qui comportement, les amis malades moutés, au moment où c'est la maman la première, au bout de la moine, on a l'ingrat.
avant moi la souka, avant c'est d'abord nous les parents. Nous avons aussi une responsabilité pour pas la bûche, d'abord à bâtir, mais pour éduquer moi la malamouté, on dit moi la classe, parce que tant moi la zone qui est classe, la zone comprendre que la zone tanga, et puis à comprendre que c'est pour mon avenir. Mais yo, éduquer moi la malamouté. On dit que moi, na tata bongo. L'enfant revient à l'école, au lieu où moi, on attend ma classe, moi, je suis allé à la série, la nouvelle. Moi, na yé, ce sont des films, à la Nigeria. C'est ce qui importe. Na qui ça, moi, na vie, yo, fait pose à la boule. Quand on a une télévision, quand on a une classe, vous, les mamans, vous êtes venus à la maison, allez dans vos maisons. Vous verrez que, bien de moi, bébé, ça va dans la vie de mon beau. Bonjour, tu as la télévision bandit de 6h à 18h. Moi, j'attends la matinée, moi, j'attends la réponse, l'autre, mon côté, c'est vous qui contribuez. Au moins, avant, j'attends ça là-bas, tu vas s'embrasser, les gens font l'amour. Aux yeux, je pense que tu trouves ça normal. Et après, le bac est primaire. Non, maman Hélène, avec tout le respect que je vous dois, nous les parents, nous contribuons la malheur et à ban en abuse. Mais ceux qui cassent les yeux beaucoup moins haut, tu revois gaieté. Mais à quelques formations, trop tard, ils ont la cassé. Tu as fait bas chrétien. Donc, il y a une information, à quel de côté, à quel de salata esthétique, le bandit, voilà, elle va s'évaluer parce que quand on a besoin, il y a bateau, bateau, tout là. Et puis, pour ce qui concerne les parties, mais je ne pense pas qu'on est parti pour tout ça qui pour adhérer à parti, bateau, adhérer dans une vision. Il y a deux valeurs. Ce n'est pas dans un laps de temps. Donc on t'a parti pour la mission. Je sais qu'avec cette situation, il y a à boire et à manger. Mais nous devons être conscients. Nous devons être conscients. Je ne suis pas disposé ou bien là ni pour répondre à la question. Voilà. C'est une question que nous allons débattre. Ici, on parle de la femme, de l'autonomisation de la femme. On ne parle pas que non, Maramamissa, c'est un problème qui sera traité par les partis. Donc, je vous remets le micro. Ma maman Bolimi. Togo Pesa d'abord, micro va répondre Mituna. Et puis, nous allons arrêter avec des questions momentanément. Pour tous les canaux intervenants, ou est-ce que vous êtes à Sikoyo, à l'Obela Pébiso. Comme ça, Mituna Nabino, beaucoup à quelque part. Ceux qui sont à Silici, vous êtes à Bandela Mituna Nabiso. Bon été. Merci. Effectivement, les problématiques Oyo Abandek déjà vous salue l'étude sur Yango. Pour comprendre que nous avons atteindre 3 mois de Messika Wazali et Bonganaï en tant que DGA, mais seulement à Kanisaka parti tous les jours. Et le Mona Bakundia parti, je pense que Bozaba Mama Paya parti, il y a eu des baisses. Toro Senga, Bozala toujours regroupé. Na ba section na binusika bozwami et en étude des osalema pour na ba formation et ya ti na parti na Kinshasa parce que réalité c'est que la plupart de la formation na domaine mine et za ekou salama mingi na ba province oyo et en exploitation minière et za mo mingi alors ba bosana ki mo ki Kinshasa. Mais tu yo qui que ma maman a eu des pèses, ma lingui, ma kendepe liboso. Ma maman, viva! Viva! Ma maman, viva! Viva! Na j'ai eu ma recommandation, yo. Na bandi, et longo na président Boni, réponse est vos ala yamalam. Na mongape yamalam, merci beaucoup. Parole à madame Dadi Bidiam. Elle est coordonnateur des réserves stratégiques à la présidence de la République. Bota la neuf sabino na bandelike, Fati Beto, ya lobby basi, tokoma 50-50, 25 ministres, 25 ministres femmes, 25 ministres hommes, Fati Alingi Bongo. Bota la neng azo tala toujours na ba mama. Tala madame, maza jeune, maza conseiller à chef de l'État. Hein? Bonjour, mon amakambo yango.
d'être lobby maman téléma olala te écouter mon avis sur baloba te ngana koma kunate nana loba bongo il est persévère viva avec respect madame nous prions de prendre la parole. Idopes viva! Viva! Idopes viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix, chef de l'État, béton, 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 béton. Blende! Nanina Kota Suka, Kosa Katsinabino, combattants et combattants. Et c'est mon mingi mingi peu comme on a papa pembe in abisso. Parce que là où il y a de femmes, ils ne peuvent pas manquer des hommes. Parce que ce sont les hommes qui nous poussent de l'avant. Bon côté. Ce sont les hommes qui nous donnent la place qu'il faut. Ceux qui te zongi na katia ma komi, on verra que nous avons été l'actrice principale. Y'a roko isa ici qu'on a bapé sa kibisso. Parce que tout est basé sur la parole de Dieu. J'espère que nous sommes chrétiens, chrétiennes et croyantes de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand Mokili a Mokili a décidé à ça à Mokili, à ça là qui nano Mobali et Moko. La carte à Mobali wana les deux attributs et ça là qui si je puis me le permettre. Donc il y avait un homme avec un grand H et Katinaé, homme et femme. Pourquoi on a lobby Ezalaki un homme avec un grand H et Katinaé homme et femme? C'est parce que pour créer la femme, Zamba Yonero Loura Matière Libandate. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que la femme existait, mais elle existait dans l'homme. Et tant que Mobali a commis la carte à solitude, si on a un jardin d'Eden, on a un jardin d'Eden. 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 On a un Moi, je suis un peu plus de temps. Pour Azaï, il est dans ma case, il peut faire un combo dans la Bikelam. Bon, Azo Pesaka, Azo Taramu, Tarokaninae, Azo Monaete. Le roi Mokeli, il y a l'équipe Batonian, son aboigna à comprendre que Kochaye Mobimba Bongo, Eza Malamu Mingite. Il faut que Bimisa, oh, Moussou, Eza Katinae, Ezala, pour Azala Souye Morote. Neli Solo, il y a un petit peu de Zalaki. Tawalali, à Soutoukaboué. Olienzamba présenté tala mutu la bimisi katinao yenda présenta inzamba aibisi voici cette fois-ci. Voilà pourquoi la femme est très importante. Moi sinde moteur ya développement. Moi sinde de disons moteur ya bofungwa mianyonso tel que to zawana soli biso to zate mokilezan elengite. Mais seulement le rôle de l'Orient qui toque au Babundi Sarango, il y a eu au Salama Kiwana. La femme n'a pas pu cerner sa place dans la création. La femme n'a pas pu comprendre que Atan Nyamawe Ayaki Kosola Naye, en fait, Yendaza Likolo Naye. Totskwei Samaki. C'est ce jour-là que nous avons perdu notre place. Le nom à l'obito met à l'isolo et à leadership de la femme face aux défis politiques de l'heure. Donc, sur la Nicolas, l'isola leadership, ce qui n'a nos femmes à comprendre, c'est que l'élément essentiel, l'élément primordial pour la boke, il y a des gens. Et cela, ils ont un papa Morota qui a côté les malos, c'est faux. Parce que tant qu'il n'y a pas une femme responsable aux côtés de l'homme, bon, il y a un bon.
Voilà pourquoi tant que papa va venir à la la question qu'on pose, est-ce que vous êtes marié? Pourquoi on le demande? Non, c'est même pas tout dans la barre, mais ceux qui m'ont fait ça, responsabilité à ma casse. Des fois, on les oblige à se marier. Pourquoi? Parce que le vrai leader dans ce monde, c'est la femme. Tony Bételi Mabo. Nous sommes le vrai leader. Leader est un âne. Leader est un mouton dans la vision claire. Leader est un mouton avec des cicatrices. Leader est un mouton dans la aptitude. Il y a qu'on tombe là-bas. Il y a qu'on met ma canisse là-bas. Il y a adhérer à ce que l'on est aligné salement. C'est ça en fait le leader. Et c'est ce que nous sommes femmes. Quels que soient les échelons autres alliés. Que tu sois une femme maraîchère, que tu sois une femme qui vend du pain, que tu sois une femme qui vend de la braise, que tu sois une femme qui est au bureau, une femme comme nous aujourd'hui, à l'institution le plus élevée du pays, nous sommes deux leaders. Et c'est là au même point d'égalité. Pourquoi je dis au même point d'égalité? Aux à la conseiller spéciale, aux à la conseillère président, aux à la maman à quatre capombines à ton poisson ma map. Sur la quatre topopines à ton moté, tu reçois ma par la bande à côté. Et maman à Kenara Moussala, ce qui maman a élié ma pâté, aux à la problème pour en ligne à relier foufou à ton moté, il faut me la tirer pour un à la bien. C'est dans cela que j'ai dit que nous sommes d'abord toutes égales comme femmes. Il faut ton longwa na katia comment on appelle ça? Gomi kiti ça. Na katia complexe négatif. Pensons que bah on va na bakomi ba licencier, ba l'équipe du sort au sala bilanga ndunda na simanda. C'est faux. Chaque femme est leader de par ce que le Seigneur nous a donné. Le fait déjà que c'est nous qui avons l'humanité en nous. Et c'est là qui fait de nous des leaders. Et nous sommes là, obus et Seigneur, il faut ça. Il faut que tu sois dans mon tour, dans le bichon. Dans l'acte, nous sommes opposés. Dans mon salaire, nous sommes sala. Dans l'inoba, nous sommes bimisa. Dans le lingue, nous sommes beaucoup là-bas. Là, je suis en train de parler du leadership de la femme d'abord. C'est vrai leadership et au monde ça m'a tait parce que tu es capable d'être marié pendant 30 ans, mais par la qualité des hommes au bisot aux obinis. Les qualités des enfants, donc hommes et femmes au bisot aux obinis. Le président de la République est sorti d'une femme, élevé, éduqué par une femme. Donc ce qui moi si à comprendre qu'il leader n'a été n'a qu'à ta vie à Batou. La société s'en va de mal en pis. Est-ce que vous se comprendre? Maman Loba Naza leader. Naza leader. Leader à solo et zanga. Je vous assure que ceux qui, maman Martha Botaka Fachite, n'ont le lot au bétaïso naïti. Ma grand zombo bazon ningi samokili. En tout cas, non, on a monité au monde, on a fait un laboratoire, on a créé un kimoutou boko, on a fait un abimi. Jamais. En tant que moi, comme je suis en train de faire un bango, je suis en train de faire un bango, pour que je recourir kaka na basi. Donc, on a bêti cette makasi place wana pour moi si à comprendre que yé moko nan y fan ni ma leadership na yé. Yé moko nan y fan comprendre que, on a zo kitana jip. Nanga oyo nazo kende makolo toza ndenge moko et soki na tchema yele na koyoko koma lokola ye et peut-être plus que ye na ningi tolo mwana complexe oyo omona lokola ye ba oyo ba telemi tango ba présenter maman Dadi Obi peut-être aza extraordinaire nullement parce que peut-être oyo sala nga na sala na moté rien ne vous dit que parce que je suis là je fais ma ramba bien. Peut-être que cela a bien collé quand même. C'est ça le leadership de la femme. Et quand on a quatre nabis au bandal les lots, c'est-à-dire que na tant en temps aux autres l'amour, l'obi n'a jamais maman eu de peste, n'a jamais différente y a ma maman moussou parce que je sais que je suis leader, parce que je sais
que domaine on a la zala on mande kaka muna koka ko sala mo mama kala yonde muto ko kata pomina 5 ans que dessus la biso map na misus ba ko kate mama kaka yonde ko me masani wana matembele na mutu otamboli na ngoba ndale mbati okoti na ngotinga ba baluki seki wapi ko zoma la popa sani wana ba sewale komi vide yoka muto zaka pa ba sala mo. Donc tu es un leader. Le leadership est autant amadé par le moyen que la personne a. Ce n'est pas parce que cette personne a des biens matériels. Nous allons libérer madame la conseillère parce qu'elle a d'autres activités. Nous allons libérer madame la conseillère et nos invités. Nous allons rester pour remise symbolique. Yama Puta Nabamama. Avant, nous allons libérer nos invités. Comme ça, Bisso Totikali, Bisso Nabisso. Pour tout ce que vous avez fait, ainsi nous passons la parole au président de la Ligue des jeunes Moamba. Docteur, vous avez la parole. UDPS Viva. Merci Mingina, chef de l'État. Oyo Zosala Teto Kuta Nesika Oyo. Merci la secrétaire générale y a parti Nabisso Oyo de près et de loin à tout moment Zalara Nabisso. Merci Naba orateur Nyon surtout maman Pauline monsieur Christian la représentante le représenté à madame Eliane Potopoto. Merci à madame Dadi Dianfou. Merci à tous nos cadres du parti. Merci aux représentants madame Gisèle Ndaya. Merci à madame Laetitia Benaka Bamba, madame la ministre provinciale de l'environnement. Merci à tous nos cadres du parti, merci aux combattants, merci à tous les fédéraux, merci à tous les sectionnaires pour la réussite de cette manifestation. UDPS Viva. Nous allons accompagner les invités, mais nous allons revenir pour quelques informations. Mais entre-temps, on va prendre une photo de famille avec les invités et nous allons vous revenir. Merci à tout le monde. Message de Rokolo Babon à moi de la femme pour la maman Rokolo et Chabamoni. Alors je demande à toutes les mamans de prendre conscience, de faire en sorte que ma police s'apprenne à la maman, au Machambo, la mise à la police. Les mêmes messages toujours en français. Les mêmes messages en français. Et je venais de le dire, je dis que la femme doit se donner des capacités et prendre conscience sur elle-même pour donner le meilleur qu'elle a pour elle. Merci. Intervention na biso ezalaki axée sur l'apport de la femme dans la société congolaise. Et là, tokendaki kolobela makambu oyo etali mwasi na secteur il y a économie, dans le secteur il y a politique, dans le secteur social. Moi c'est Azar Komemanine et nous avons remarqué que Basi et Bélé, Bazali, ba fondateur c'est ba parti politique était dans le secteur où il y a Italie, makambu ya politique. Pourcentage Ezali Mouke et dans le secteur il y a économie. Comme on a dit que tant qu'il y a pillage, dans 1993-1994, moi si à Kendaki, mon brave père, à Téléma qui prend la cosa, la cosseconde, parce que Misali s'est quitté. Nous allons comme on a passé et bien cosa la Misala, Misala privé, il y a côté Kamapa. Il y a Koussoura Libouta. Et comment la moisi du Soussou, le secteur et la société, pour éduquer la bande, la Kotangi Sabane. Donc, le solo là qui moi, ma camboué, Belena Bamama, c'est pour encourager Bango, que Bamiti Kate, va se former, va tanga Kelas, pour Namapona Mio et Zali Kouya. Moi, c'est la candidate. Na ba niveau nyonso pour tokende pour racheter parité
mwasi atanga mwasi akende kopostile na bali na territoire na babwe na députation nationale provinciale po to se retrouver mokolo mususu na basi ebele ba gouverneur. Pensez à l'organisation de cette journée, c'était quoi votre première idée qui vous est venue en tête pour choisir le thème l'autonomisation de la femme? Ça m'a question. Bon, en fait, nous avons parlé de l'autonomisation de la femme parce que chacun de nous, homme ou femme, a sa particularité, a sa touche. Donc la femme doit comprendre que sa touche manque à cette nation. Nous avons la touche de l'homme que nous connaissons déjà. On avait besoin de la touche de la femme. Voilà pourquoi nous sommes dit, la femme doit être autonome pour apporter sa touche à l'édification de notre société. Voilà un peu en général ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci Mingina Balandia, Avema la télévision. Karandina Lobaki, Ezaki, journée Moko très spéciale organisée par le président fédéral Mohamba Yaï Depes, le docteur Oni Kalonga. Président Moro Yachane, il a voulu honorer la femme congolaise par rapport à cette journée de réflexion à Sangizaki, ba maman tout autour naé, ba maman cadre, ba maman artisanale, ba maman ménagère, à Sangizaki, ba maman ébélé, ébélé tout autour naé, ba réfléchir ensemble sur l'autonomisation de la femme congolaise. Yangonde, Moutouya Likambo Oyo, Avema à télévision, chaîne ou accompagnera chef de l'État, le chaîne Yabana Mboka, soit en musique, au coup d'abisson à perfection, ou en politique, on le fait avec perfection, ou en agnonso, perfection de rapport. Bonjour président. Bonjour monsieur. Je suis un maire à l'idée est de faire une journée avec comme thème autonomisation de la femme congolaise. Oui, l'idée est d'abord valoriser la femme congolaise parce que au moins tu bengi qui va éviter belé. Quand sur le land, moi si à coco mise en charge, importance oyo moi si à coco apporter par rapport à banger de. Le chef de l'État Bomoni a prôné d'abord une vision et a valorisé moi si à Tchébassi dans l'entreprise et Bélé, pas Oyo. Voyez les lots, la plupart des jeunes. Les lots, le chef de l'État a Tchébassi dans le gouvernement Moussousou à Tchébassi, Kaka pour valoriser moi si parce que Bassi et Bélé, pendant qu'on mise à l'onire, Bassi, les lots, Bassi, Bomoni, que non, pas qu'on travaille, mais moi si fait, à quoi on fait ça implique. Donc le président Boni Kalonga a immortalisé moi si a fait si honneur la femme comme la femme congolaise importer la paille papé si basima puta conseil n'a pas jeune fille parce que voilà ta bilamba mi pene libanda ma boumou libanda tola ta liputa la femme congolaise la femme elle est connue avec liputa donc liputa ya moyo papé si basi merci beaucoup na président Boni merci beaucoup na bakambitu ya IDPS merci beaucoup na jeune tout oyo ba disponible qui tant na bango baza la présent awa pour s'abonner massivement à Avema la télévision chaîne ya perfection chaîne par excellence, car on est à la carte. Tout liker, tout partager, tout commenter par vidéo. On a vu sur Avema la télévision. Donc, on a mis la cima pour vous mettre à nous. Merci, ciao.